Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. N'a pas démarré tout de suite ensemble avec information yo pour nous faire connaître. Ministre Justice et Sécurité Publique, là, Maître Berthaud Orsay. Mande commissaire gouvernement dans toute juridiction dans le pays à appliquer la loi dans le cadre de travail. Pendant une rencontre qui a été gagnée avec chef paquet mercredi 1er décembre 2021, Maître Berthaud Orsay déclaré l'important pour la population de joindre justice. Tout le monde qui prend plaisir à créer panique dans le pays doit jouer une sanction la loi réservée pour eux, d'après nouveau ministre justice et de sécurité publique. Maître Berthaud Orsay est dans le micro Jocelyn Pierre et Michel Joseph. L'abdinou plus. Pour le commissaire du gouvernement, suspendre le mandat d'amener en vêtu, en voilà, pour arrêter le monde. Il y a des gens qui sont en prison. Parce que nous parlons de forme tête. Nous faisons ça en pile. Parce que le passé, il va te saluer, ou venir le devant, ou dire le mérite arrestation. Nous finissons avec la période. Il y a un acte qui est blessé, moi. Nous prenons pile le monde comme ça. Son commissaire du gouvernement qui arrête un malheureux pour une faux test Covid. C'est ça, l'estimer. C'est papier en main. Il voulait le cabinet de destruction. Dans la même semaine, monsieur prend mon avec Zam, il l'a guéri. Demain matin, vous faites ça la loi, dit pour rester là surtout. Je ne vais pas demander nous, pardon. Mais je demande nous, quand vous la loi, pour nous-mêmes, le nap marche à pied, c'est une carte à l'aise. Parce que nous avons besoin de ça. Avec le commissaire Sayo qui est là devant nous, nous critiquons l'insécurité judiciaire. Si c'est notre major, nous demandons nous-mêmes comme soldats pour nous appliquer l'instruction. Ce n'est pas moi qui parle de nos primes. Tant que gens, tout le monde a clé dans les oreilles. Yota remet les commissaires du gouvernement tant que la ville de Kaï. Ce matin, je fais connaissance commissaire au Kaï. Et drôle de coïncidence, je suis en face. Je suis bien content pour un commissaire qui sorti là, sans appel l'aller. Au lieu de ce rapport, pas qu'à bon moins, sous quantité assise, il était fait. Sous monde qui l'a arrêté mal, l'a obligé à aller. Mais si ça en appelle l'aller, démarche qu'a fait yo, moi je dis les m'a respecté, nous t'en mets plus CV. Fille, femme, avocat qui plein salle là. Et puis le reste va monter en appel. Je n'ai pas qu'un lien avec nous qui est obligé de kembe nous comme commissaire du gouvernement. Mais rapport nous parle bon moins. Dans une certaine mesure, qu'a servi du contrat qui lie nous ensemble avec moi. Nous t'ai parlé de ça dans un grand sitio, une situation qui baille tête fait mal, deux monde mourir et puis 11 autres blessés d'après juge de paix titulaire Carrefour-Lan Moïse Jean. Après individu t'ai fin l'ouvrir coup d'âme mercredi 1er décembre sous plusieurs machines qui t'a passé sur route nationale numéro 2A dans le bloc Martissant. Juge de paix Moïse Jean dressé bilan ça jeudi 2 décembre. N'a pas invité nous suivre. Donc, et à les deux côtés pour nous te constater et m'a expliqué comment premier constat c'est. Il s'agissait d'un homme qui a été joint sur c'est tout près sur G-Banque à Fontamara 43.
côté service communication, commissariat de Carrefour, tu es informé, non? Il te dit non, il y a encore qui s'envie dans une camionnette. Nous t'es déplacé vite avec Refinant, aller sur les lieux, arrivé, nous constaté effectivement un jeune homme était couché derrière une camionnette. Là, nous avons pris le temps pour interroger les riverains de la zone. Ils ont dit non, effectivement, il y a une motocyclette taxi. Que jeune homme ça était derrière lui. Le motocyclette l'arrivé bon camionnette là, il déposé là. Il a dit non, c'est assemblé. Motocycliste ça, il a aidé monsieur pour y aller à l'hôpital. Mais l'est arrivé malheureusement, monsieur était en passé de vie à trépas. Il déposé tout doucement la camionnette là. Peu de temps après, nous avons été appelés par le responsable adjoint du commissariat de Carrefour qui était informé non à Dikini 63, plus précisément dans l'hôpital Dikini Adventiste, il y a un bus qui rentrait avec une bonne victime. Nous allons, nous allons prendre le temps. L'homme arrivé, nous joignons, il mène nous dans un bus, tout près d'un bus, nous constatons une jeune dame. Il faut être fiel, oui, pour garder dame ça, pour garder corps ça. Un corps qui est dans, côté tête écrasée, moi, la tête est sortie, nous constatons. C'est avec un peu de consternation que nous te fait constat ça. Après, nous te cherché chauffeur qui déclarait non, ça que effectivement, les sorti la ville, les pralé Carrefour, c'est lui qui conduit bus là, et puis l'est arrivé avec bus là, Matissan 4, à proximité Maquette Palmera, des individus que pas même ouais vidé cartouche sous machine. Heureusement, il pas prend balle les mêmes, il courit avec mon yo dans la machine. Gain qui allait l'hôpital Foudfort de Pau à Cachan 32. Il y a une victime qui allait à centre hospitalier de Carrefour qui se trouve à Bizoton. Et il y a d'autres qui se sont rendus et à l'hôpital Adventiste Dikini côté nous-mêmes nous avons fait poste à ça. Le nom rentré dans la salle d'urgence, c'était Rel Kamakorel. 12 personnes. Après les gens qui finissent de mourir, nous joignons 12 personnes qui sont grièvement blessés. Les gens qui sont conscients, il y a des gens qui sont inconscients. Ça nous a constaté sur le corps, c'est des trous, tête qui crasée, bras qui cassés, femme prend balle dans la tête et parmi 12 autres, il y a 3 qui sont rentrés dans la salle d'opération que nous avons constaté. Un peu plus tard, le chirurgien qui a fait l'opération, nous avons contacté au fond de la nuit. Il a dit nous, malheureusement, il y a un jeune homme qui est passé de vie à trépas. En gros, c'est ça que nous avons constaté. Nous sommes au seul côté, nous partons l'hôpital Foudfort de Pau, nous partons dans le centre hospitalier. Bilan, c'est 2 morts et 11 blessés. Toujours dans ça qui est à question insécurité, plusieurs élèves, parents et professeurs de l'école manifestaient dans la rue Port-au-Prince jeudi 2 décembre
pour demander libération directeur l'école Cœur de Jésus. Individu moun pas arrivé identifié kidnappé Sonny Guichard lundi 29 novembre 2021. Manifestants yo sillonné plusieurs rues dans zone métropolitaine Port-au-Prince et puis dénoncé zak kidnapping lan qui continue à valer terrain dans pays d'Haïti. On suit en bout. L'école n'a pas ouvert depuis le kidnappé directeur là. La sécurité a vu plus mal. Ça veut dire nous pas qu'à descendre. Et nous t'as supposé composer, nous besoin composer, nous besoin la guerre directeur là. Pour nous qu'à finir malgré tout ça passé là, après examen état, nous besoin d'examen état, nous besoin la guerre directeur là. Kidnapping n'a pas monté. Pas grand monde qui a dit à l'aise. Donc quand il fait 6 heures, tout n'a pas rentré la carrière. Mon avis sous stress. Ce n'est pas normal, nous sommes pays, nous voulons vivre dans pays. Donc ce n'est pas normal, nous besoin vivre. Nous besoin vivre. Directeur, c'est M. Sonny Guichard. C'est un humain. C'est pas un directeur qui est juste dans le bureau. Il prend tous les lunettes. Moi, je suis un ancien élève de l'école. J'ai quitté l'école là depuis plus de 10 ans. Et grand pile là, nous l'avons dedans. Seulement ça que j'ai demandé. Non, moi, ça me fait un geste d'amour. Parce que dans le niveau bas, l'arrivée là, c'est seul l'amour qui a été mis dehors. C'est vrai, parfois, quand on a un cancer, on dit qu'il y a une phase qui est irrécupérable. Mais je crois que la phase de la vie est on croit que pas grand bon Dieu pas capable. Et je crois que les gens qui ont capté des messages, je crois que le conseil nous a touché, nous que là, pas mon petit souffle. Pas mon petit souffle. Top lui. Top lui. Fais-le pour vous. Fais-le pour moi et tant que Haïtien. Fais-le pour nous tous. Parce que Haïti va pas mourir. N'a enchaîné ensemble avec On Campé, qui c'est un mouvement qui réunit ensemble université, l'État, coup privé dans le pays. Yo bay tête yo objectif pour camper bataille, mais nommé à population pour joindre bien-être li. Membre On Campé yo mande bon gens sécurité dans le pays pour population ka mené activité li yo comme ça doit. On suit un extrait. Et mouvement en campé, c'est un mouvement qui ouais, joue ou bien qui prend naissance souvelé 20 décembre 2020 dans l'université de l'État, particulièrement dans l'INAGE, côté que nous avons réfléchi sur la situation sociale, économique, politique pays, ya, que nous avons qui participent dégradé chaque jour qui joue, surtout dans les 10 dernières années. Eh bien, nous avons dit nous, comme jeunes qui ont privilège d'intégrer une ou bien deux entités dans l'université de l'État, nous pas arrêté de croiser. Parce que l'en considéré, c'est moun et ça yo qui pi mal la, condition la vie ou pas bon, hein? C'est eux même qui financent l'étude nous à travers taxes et impôts yo bay l'État. Et yo bay l'État. Eh bien, nous te dit nous, faut que nous camper, faut que nous mettons nous ensemble pour nous mettre en mouvement qui est capable de goumer, coller avec la population hein, pour accoucher bien-être li, bien-être que nous perdu depuis l'en fin de Papa Nation. Hein? Et bien c'est comme ça, nous avons mis le mouvement sur la campagne, nous n'avons pas arrêté au niveau INAGE seulement, nous avons aller vers d'autres entités qui sont dans l'UEH qui sont au nombre de 11, d'ailleurs nous avons une représentativité dans toute la dedans et puis tout, nous n'avons pas arrêté là, nous avons aller vers l'université privée, c'est un rare mouvement qui arrive non seulement tabli dans l'université, tabli basé dans toutes 11 entités, mais tout, aller joindre l'université privée, mais nous n'avons pas arrêté là encore, nous avons aller au niveau quartier populaire. Parce que je dis, tout problème nous sommes censés faire face, c'est des problèmes communs. Oui. Nous pas qu'à résoudre de manière isolée, nous pas qu'à résoudre de manière sectorielle. Et bien, c'est dans ce sens-là, nous te prenons l'université de l'État, l'université privée et puis l'organisation populaire derrière, en plus de nous, c'est dans le quartier populaire nous vivons. Et c'est dans la matrice où nous sortons, nous mettons nous ensemble, nous gonflons vers nous. Depuis lors, nous mettons le mouvement ça à camper. 25 janvier 2021, nous sortons dans la presse. Et depuis lors, le mouvement ça bel et bien accompagner la population, j'en nous dis là, pour le capable de joindre bien-être. Il y a plusieurs mois, il y a Matissan qui s'est rentré sur la capitale là, qui connectait 4 départements, on a même dit 5, sous tenu compte des restes de l'Ouest là. Vous regardez, nous n'avons pas qu'à aller dans l'activité. Nous avons souhaité le gouvernement qu'il aille sous l'école de manière à ce que les blagues de sécurité dans le pays, pour la population capable d'évacuer librement avec l'activité. N'a enchaîné ensemble avec organisation féministe Marie-Jeanne qui organisait une exposition photo plusieurs femmes qui mourirent dans conditions qui pas clair pendant l'année 2021.
responsable yo dans organisation si la dénoncer situation qui la cause femme victime yo pas qu'à joindre justice en dans pays ya. Responsable yo encourager toute victime pour porter plainte pour yo capable joindre justice le subi violence toute qualité. N'a invité nous suivre yon extrait. Pour ces jeux d'activisme que nous mettons accent sur les en pile parce que nous estimons que femmes ça yo qui allait donc yo mérité pour nous citer nous non seulement pour nous rendre hommage mais tout pour nous protéger ça qui rete yo donc pour nous voyer une alerte pour voir que monde ça qui rete yo donc sous en position côté que ou senti que ça arrive pour déplacer. Justement, message que nous voulons faire passer, c'est pour nous montrer femmes qui là yo donc si que yo pas prend décision, là yo non mauvaise position, c'est là que yo a bien. Donc et que là nous t'a envie que monde qui là yo c'est ça va, suspend. Donc nous là nous gain plus que 11 femmes que nous joignent, mais nous connaît pour année à gain plus qui gain t'a passé, donc nous pas t'a souhaiter que ça continue. Donc nous t'a souhaiter que quantité nous gain li suffit. Donc pour garçon yo manye suspend donc et que pour l'état lui-même manye puni moun sa yo plus c'est parce que yo connaît que yo pas puni en pile là dedans qui fait que yo continue faire ça à faire donc nous t'a souhaité que chaque grande femme qui n'en position ou bien quelconque réveiller nous pas voulait que pour nous pour quantité ça pour augmenter encore je tiens nous gain 11 monde parce que avant que nous mettez photo victime ça yo nous te souhaité contacter famille on ka di nous que c'est pratique plus difficile dans travail en contacter famille ça yo qui tendé au cap parler de petite yo de sœur que yo te gagné de maman yo donc c'est pas facile du tout donc gain famille que nous pas arrivé joindre et que c'est avec accès famille yo que nous mettez toute victime ça yo là je tiens. N'a prêté sous même lancé ça ensemble avec directrice exécutive Impact Lan, Joanne Garnier, dans occasion 16 jours mouvement contre violence qu'a fait sous femme Atifi, qui annoncé yon ensemble activité qu'a gain pour fête sous réseaux sociaux yo pour mettre projecteur sous femme Atifi handicapé yo qui plus victime zak violence en dans pays a. Joanne Garnier fait connait dans occasion gain brasser l'idée qu'a fait sous violence sous femme Atifi handicapé gain témoignage association qu'a travaille dans domaine nan y a partagé sous réseaux sociaux yo. Directrice exécutive Impact Lan Joanne Garnier t'a répondre question collaborateur nous 11 mars dans émission mise au point sous TNH on suit gain 16 jours d'activisme yo relé 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. Et thème pour année ça c'est n'a croiper violence qu'a fait sous femme avec Tifi. Ça c'est thème global là, en fait thème national là. Mais nous-mêmes au niveau de l'impact, nous voulons mettre en face sous femme avec Tifi handicapée parce que pour nous-mêmes là on a parlé de violence qui fait sous femme, femme c'est pas un seul groupe, en dedans groupe femme yo ou gagner femme qui ou gagne grand monde ou gagne jeune femme ou gagne petit monde ou gagne Tifi donc et ou gagne fille avec femme qui handicapé. Donc nous voulons mettre projecteur là sous femme avec Tifi qui handicapé pendant 16 jours ça yo côté que nous voulons à travers réseaux sociaux yo et avec un partenariat avec association mon handicapé qui partenaire nous et dans cadre projet ça vraiment publier des utiliser réseaux sociaux yo pour nous publier des histoires à succès ou bien pour nous publier des témoignages que association yo a bail que membre association yo soit par exemple en cas de ça y a fait yo même pour yo croire violence qu'a fait sous femme avec tifi handicapé ou bien par rapport à défi que yo rencontré dans communauté yo sous question violence avec en cas fait sous femme avec tifi. Donc nous pral gagner un webinaire alors ça c'est important pour me dire pendant 16 jours d'activisme ça yo en mi-temps ou gagner 3 décembre qui c'est journée internationale des personnes handicapées. Donc dans cadre ça tout nous gagnons un webinaire que nous pral faire qui pral sur Facebook live sur Facebook avec des représentants associations moun handicapé et des associations des moun qui travaillent peut-être en question droit femme mais qui pas taclé à faire femme handicapé hein. Et donc nous pral font brasser l'idée sous question violence qu'a fait sous femme avec tifi handicapé mais tout ça yo c'est vraiment au niveau réseau social côté que nous pral publier des capsules avec des témoignages. Premier bagage c'est que nous pas arrêter Port-au-Prince
nous travaillons dans les communes avec des associations qui partent. La plupart de eux pas gain opportunité en vain pour y participer dans des programmes. Ça veut dire que nous-mêmes nous voulons à travers travail nous toucher les groupes qui sont les plus marginalisés et responsabilité que nous bail tête nous c'est bail aux outils eux-mêmes pour y capable défendre droit eux parce que nous-mêmes nous dit que y a un monde qui l'ont situation plus capable défendre droit que l'autre monde qui a défendre droit pour lui. Donc c'est pour ça nous vraiment mettre en face sur renforcement capacité association yo parce que c'est vrai il y a un pile bruit il y a un pile tellement il y a un pile problème qui gagne dans communauté hein, tellement il y a un pile problème dans pays hein, il y a un pile association qui a fait bruit autour de un paquet de problèmes mais voix mon handicapé yo toujours été on voit qui plus faible parce que association mon handicapé yo c'est des associations qui marginalisées yo exclu dans société hein, donc c'est pour ça que il est important pour nous vraiment renforcer yo pour yo capable prend bâton yo au devant de la scène pour faire entendre voix yo. L'autre point dans téléjournal ça, gen ministre haïtien k'ap viv l'autre bord de l'eau qui présentait mercredi 1er décembre divers projets li compte réaliser pour 3 mois k'ap vini yo. Construction kiosque dans aéroport international dans cap haïtien, accompagnement dans plusieurs niveaux pour membres dans diaspora. C'est quelques parmi projets Silayo. Plus de détails dans le micro, Midre Emilias et Michel Joseph. Ensuite. À côté de toute activité quotidienne que nous gagnons, administrative que nous entreprenons au niveau du ministère, là, mais quelques grands chantiers que nous prévoyons pour trois prochains mois qui viennent. Premier point à souligner, c'est l'ouverture d'un kiosque à l'aéroport international du Cap-Haïtien. Nous constatons yon hausse et rentrée du côté du nord de la diaspora à cause de l'insécurité, kidnapping dans Port-au-Prince, dans la capitale. Donc, suite à constat ça que nous faisons, nous avons trouvé le nécessaire pour que MAV lui-même, tout comme à Port-au-Prince, que nous mettions un kiosque dans l'aéroport là pour capable de recevoir diaspora ça le rentrer. Deuxième point que n'a bien pour nous présenter nous c'est la présentation du PDNA à la diaspora. Présentation PDNA à la diaspora qui s'allie. Nous connaît 14 août péninsule sud-land été frappé par un gros tremblement de terre qui a quitté monde mourir et un pile dommages et pertes. Donc, le gouvernement a mis sous place un projet de reconstruction, un projet de reconstruction que a été présenté il y a de cela 2 mois à la population. Troisième point, nous, c'est la participation à la conférence des bailleurs qui est prévue pour janvier, c'est à New York. Et nous connaissons tout projet besoin de financement et de ce fait, PDNA a besoin de financement. Donc, nous allons rencontrer avec les bailleurs qui ont un engagement pour être capable de financer le projet PDNA. Nous avons un quatrième point nous, qui est un atelier de formation à l'endroit des employés du service MAV à l'écoute sur le produit ONA Diaspora. On a diaspora qui s'allie. Ça a gagné quelques années, on a lancé on a diaspora. Pour qui ça? Parce que yo estimé que haïtien qui vivent là-bas, c'est haïtien même gens avec haïtien qui vivent en Haïti. Donc tout service et même gens que nous-mêmes nous des contribuables à l'ONA, volontaires à l'ONA, yo voulait que diaspora lui-même li capable volontairement et contribuer non ONA lorsque lui-même est prêt pour un haïtien prêt pour venir prendre retraite li en Haïti et que le connaît même service que ONA offre à un compatriote qui en Haïti lui-même l'a offre li tout li ka fait prêt li ka fait n'importe bagaille. Donc ONA voulait mettre en partenariat avec MAV pour nous capable travailler sur ONA diaspora et
bail une formation, une sorte de formation à employer nous qui n'en mal à l'écoute, son façon pour être capable orienter diaspora ça leur et les bons services nous mêmes nous cap tout profiter pour nous parler de on a diaspora pour intéresser au plus à et poter comme des contribuables qui volontaires pour on a. Téléjournal là pour poursuivre avec une membre commission nationale désarmement démantèlement à réinsertion Jean Rebel d'Orsena qui encourageait responsable mais t'es campé et puis appliquer un plan pour combattre insécurité en deux pays. D'après lui, c'est volonté qui pas gagné bon côté acteur pour porter solution à problème non. Jean Rebel d'Orsena rappelait autorité concernée yo nécessité qui gagné pour agir vite. Dans l'idée pour éviter l'autre zone, vive situation insécurité qui établit dans un pile quartier en d'un pays. On suit. Pas de plan de sécurité en pays. C'est ça nous-mêmes qui avons un plan ça déjà. Un plan de sécurité globale pour tout le monde. Pour entrer dans le canevas. Mais plan de sécurité réel. Parce qu'il faut adapter avec le système de criminalité qui gagne aujourd'hui. Pour faire gagner. Pour adapter. Souriez, ou réel depuis 20 ans, ou son depuis 10 ans, ou entre là dans les années là, au chaque jour, les réseaux sociaux, cap de néglage ton chèque, ni mettez sur réseau, néglage ton bail, ni mettez. Imaginez, ou qu'on est un nègre qui a une caméra suivie en sac à l'île. Yes. Non, yon nom nègre à mère. Il y a une caméra suivie en sac. Qui est dans qui zone? Dans la zone sud là. Dans la zone maçon. Yeah. Bon. Vas-y, monsieur, il y a un contrôle aria ou une zone qui est côté de la pivolia. Il fait vidéo à le monde. Ok. Bon. Ouais. Si on s'en a fait société, ma ville l'a emballé 100 fois, ma ville l'a emballé 100 jours, ma ville l'a emballé chaque jour, on n'est pas bien fait. Mais pour qui ça n'est pas fait, c'est ça la question. Tout. Eh bien, pour qui ça n'est pas fait. Bon, monsieur Goulendo, est-ce qu'on pas inviter, vos autorités au Vénin, les fin parler avant comme ça, samedi, posez comme question. Parce que nous-mêmes, nous faisons travail pas nous. Pour bagaille résoudre, l'homme en cancer, ou son l'homme malade, qui sont faits, il va médicament chercher, mais médicament non plus. Mais est-ce que c'est vrai, dans le niveau autorité, il y a des gangs, il y a des gangs supporter, qui viennent créer. Plus problème qui empêchait que la police sévit, qui empêchait que vous fait ça pour faire. Vous avez ça, oui? Moi, je dis comme ça, les nuits, et bien, je dis à ma petite, je dis à vous, je dis tout côté passé, je dis un groupe, un groupe, qui a le pouvoir là-dedans, qui supporte, qui a le pouvoir, qui a un groupe, c'est secteur privé, qui a un groupe politique, je dis à vous. Mais, regardez, bon, monsieur. Comment ça, vous connaissez? Si nous connaissons, ça ne va pas mettre au côté pour machine pas caser. Par la police, non, par la justice. Moi, je répète ça plusieurs fois. Vous insistez sur ça et m'a répondu la même question. Mais combien de monde la justice dans le pays nous a condamné, chaîne dans pied, chaîne dans main, ils ont dit mais, moun ça yo, mais pour avoir été gagné, mais ça a été gagné dans la vie, mais ça a été payé, ils ont gagné 10 ans en prison, ils ont gagné 3 ans en prison, ils ont gagné 1 an, ou sinon, moun. Soit dans la prison, nous ne pouvons pas reposer. Quand c'est le monde qui est en prison, sans juger, soit pas. Même droits humains, moi, je me toujours poser une question sur droits humains. Le monde a aucun droit tout. Malade difficile. D'un côté, l'école va même l'ouvrir. Entrer sur le capital là, chaque fois, faire ça avec un pile que sauter, que casser, il y a un monde qui est déjà abandonné, caillot, qui toujours est dans un sportif de cafou là, malheureusement. Qui ça, si la solution est capable de dire, hein, par rapport à l'information que nous disposons dans le CNDDR là, par rapport à ça, nous avons comme données qui t'a qu'à permettre que nous rallons souffle avant longtemps. Regardez, comme nous avons dans ce moment, nous avons une réunion avec l'autorité en place, nous avons tout annoncé, nous allons proposer un plan pour le problème ça résoudre. Et si on ne résout pas, je vais dire que je ne peux pas le résoudre. Mais justement, comme nous dit nous venons, nous allons aller dire mais nos problèmes, mes solutions, mais ça vous faire. Laisse ça, même si vous ne faites pas nous-mêmes, nous annoncerons ça, nous annoncerons publiquement ça. Parce que qui s'allie où est Pétionville? Une zone résidentielle.
quelques zones là entre guillemets. Entre guillemets. Si problème l'autre côté va résoudre, bon garantie dans le jour qu'a bien là yo. Mon bétion il y a même il y a mon Matissa parce que moi ouais, moi vérifier. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez qu'a attendez des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'ai branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.